On avait envie de l'entendre parler depuis des mois. Elle est actrice et mercredi dernier, elle a eu une bonne nouvelle. Lubna Abidar, nommée meilleure actrice pour ce film. Qui vous a appris votre nomination au César ? Ce qui me l'a appris, c'est ma cousine Nabila qui me l'a appris. Et mon idole, Charles Goumi. C'est lui, il m'a appelé, j'étais dans le train. Elle m'a téléphoné, j'ai dit arrête, c'est pas la caméra cachée, ça. Et... Est-ce que vous avez vu contre qui vous êtes nominée ? Catherine Deneuve, Catherine Froh. Isabelle Huppert. Isabelle Huppert ? Oh là là, moi aussi j'ai peur. Oh là là, j'ai très peur pour Isabelle. Hein. En plus, moi je les connais pas. Hein. Je connais pas ces gens-là. Je connais Nasseri, je connais Riari. Je connais pas. Je connais pas les autres. Je connais pas les autres. En deux phrases, est-ce que vous pouvez raconter de quoi il s'agit à ceux qui ne l'ont pas encore vu ? En deux phrases. En deux mots. Le, c'est un mot. Le. Alors, le sexe. Voilà, c'est juste pour résumer le sexe, deux mots. Quand vous avez accepté le rôle, plein de gens vous ont dit « ne le fais pas, ne le fais pas, ne le fais pas ». Vous répondiez quoi ? J'ai répondu parce que je connais, c'est un rôle de composition. Je connais très bien ces femmes-là. Avant, j'allais avec eux une fois par semaine pour me laver au hammam. Tu connais pas le hammam ? Le hammam avec le tayaba, la cuiseuse. Dès l'annonce de la sélection du film à Cannes, il y a eu un déferlement de haine au Maroc et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est à cause du passage de la 4G au Maroc. Aujourd'hui, vous vivez en France. Est-ce que vous avez encore peur ? En France, non, j'ai pas peur. En France, à Paris, j'ai très peur. Par contre, à Paris, j'ai très peur, mais pas en France. Et j'aimerais bien y aller dans un pays où j'ai pas peur, la Russie, rien que parce qu'ils ont un président qui s'appelle Vladimir Putin, c'est pour ça. J'aimerais bien y aller. Ce qui est fou, c'est les policiers et les secours. Oui, les policiers. J'ai pas compris la portée de la plainte sur moi. Parce qu'il a dit, ça, je comprends pas pourquoi. Il a dit, je suis passé au commissariat, j'ai dit, cucu les amis, et je partais après. Moi, je... Comment vous allez préparer les Césars ? Alors là, wallah, l'adim, haqqarabi, bilaqsun, fumi, wallah, je sais pas. Peut-être je vais me préparer, je vais mettre la ménagie, le rouge à bouche, le fard du lijo, tout ça. Mais vous regardez, monsieur, je ne sais pas. Vous serez dans quel état ? Je serai bourré. Comme d'habitude, je serai très bourré. Par contre, je voudrais passer un petit message avant de partir. Je voudrais dire merci au Premier ministre de l'Intérieur des Affaires étrangères de la France qu'il a fait la réforme. Pour l'orthographe exprès pour moi, ça vraiment j'oublie pas. Et parce que j'avais vraiment la galère avec l'accent cornflex. Alors vraiment merci à monsieur Valls. Et à bientôt. Cucu les amis et merci. Merci. Merci beaucoup. Ah, si tu pouvais fermer ta gueule, ça nous ferait.